10h à Vallon-Pont-d'Arc, ils sont plus de 700 à s'élancer dans la course. Pas question de se laisser décourager par le froid et la pluie. Certains ont fait plus de 150 km pour y participer. Vous venez d'où ? De l'Isère. Et alors, comment vous trouvez le raid ? Dur, dur, mais super sympa. Ça se passe bien. Ouais. Ça pourrait mieux se passer. Un peu froid. Un peu froid, non ? Un petit peu. Vous venez d'où ? Marseille. C'est un peu froid. Ah, c'est super. Pas difficile, hein, mais il fait froid. L'eau, ça rafraîchit. Je grelotte, vivement concours. Ils vont courir, mais aussi pédaler, sur un parcours de 43 km, avec, en prime, 1200 mètres de dénivelé. Du moins, pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Le premier n'arrivera pas avant 13h30, le dernier 18h. Le raid du Pont d'Arc, c'est l'une des compétitions les plus difficiles de la région, mais aussi l'une des plus belles. Depuis 15 ans, elle permet de découvrir les gorges de l'Ardèche comme aucune autre.